qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? C'est pour ça que je suis ici, parce que je crois fermement que l'heure du changement est arrivée au sein de l'entreprise Sferandise. Comment oses-tu, après tant d'années d'absence, venir nous dire ici comment diriger notre entreprise? J'ose pour plusieurs raisons. La première, parce que j'ai un nombre important d'actions dans cette entreprise. La deuxième, parce que j'ai des voix et des votes dans cette entreprise lors du conseil d'administration. Et la troisième, parce que je suis absolument sûr que vous êtes en train de très mal la gérer. Oui, il a raison, c'est mieux pour l'avenir de l'entreprise. Messieurs, silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Adolfo, peux-tu expliquer un peu mieux? Aurais-tu apporté des propositions qui puissent démontrer les changements? Eh bien, en vérité, oui. Sur ce rapport, vous aurez sans exception toutes les informations. Vous avez une proposition stratégique à court terme, à moyen terme et à long terme, dont la seule exigence est l'intervention du présent conseil d'administration. Je fais donc appel à une élection pour élire un nouveau conseil d'administration provisoire qui nous permettra de retrouver l'aura des entreprises Sferandise et aussi son succès qui semble s'être terni ces derniers mois. Je ne partirai pas d'ici une autre fois, non. Et encore moins pour aller dans une maison où ils vont me prendre pour une délinquante, une criminelle, une arriviste, non. Non mais maman, ne dis pas ça. Cette maison est celle d'Irène aussi. Et c'est Leonardo Ferrandis qui t'a invité. Non, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Comme si j'étais au stade de la mort. Non, mais... Mais bien sûr que non. Mais tu as besoin de soins, maman. Et aussi parce que Irène l'a décidé comme ça. Elle aura beaucoup plus de temps pour prendre soin de toi. Ah, mais madame, cette maison est magnifique. Elle a tout ce qu'il faut. Elle vous plaira sûrement avec son jardin et sans compter tout le peloton d'employés. Ah, et puis, elle a aussi le wifi, et elle a... Écoute, Sandra, mon trésor, tu es plus jolie quand tu te tais, tu le sais? Oui. Bon, vous allez m'excuser si j'interviens, oui? Croyez-moi, vous allez être accueillie comme une reine dans cette maison. Écoutez vos filles. Excusez-moi, monsieur Anzola, vous êtes très aimable. Mais je n'ai jamais été ni reine, ni millionnaire. Par conséquent, je n'irai pas chez eux, je m'y refuse. Maman, arrête avec tes excuses, s'il te plaît. À cause de ton entêtement et de ton orgueil, tu risques de mettre en péril ta santé et ta vie. Tu vas aller habiter dans cette maison. Non, non, je n'irai pas. Plutôt mourir.
Mais tu ne vas pas mourir, ce n'est pas une option, maman, enfin! Tu vas aller dans cette maison et tu vas suivre à la lettre les recommandations des médecins. Et tu vas prendre tes médicaments. Nous allons prendre soin de toi, maman. Tu vas voir, il ne va rien t'arriver. Comment pensez-vous m'y amener si je m'y refuse? Ah, c'est que tu n'as plus le droit de décider toute seule, maman. Tu n'as pas le choix, tu vas aller chez eux, quoi qu'il en soit. Et c'est comme ça, maman. La maîtresse de maison n'est pas ici, mais je vais appeler le bureau pour demander les instructions. Bien sûr, c'est normal. Et la patiente, où est-elle? J'aimerais bien la voir. Et bien entendu, elle aussi voudra me connaître. Elle n'est pas encore arrivée. Ah, et on la ramène de la clinique? Non, c'est-à-dire qu'elle n'habite pas ici. Il s'agit de la maman de Madame Irène, qui est l'épouse du maître des lieux. Ah, je comprends. Ils ont pensé qu'elle serait mieux dans cette maison avec toutes ses commodités et surtout mieux suivie par vous. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Je suppose que vous n'êtes pas l'amie de Consuelo, non, parce que... Elle sait parfaitement qu'il lui est interdit de recevoir des amis dans cette maison. Je rectifie. Ce n'est pas du tout mon amie. C'est l'infirmière de Madame Trinidad. Ah, bon. Que c'est étrange, parce que cette dame habite bien loin de chez nous. Si vous devez vous en occuper, il faudra aller la voir dans son quartier malfamé où elle habite. Parce que cette dame n'a rien à voir avec la famille Ferrandis. C'est que monsieur Leonardo et son épouse ont décidé que sa maman s'installe ici. Ça, c'est inouï, Consuelo. Que dans cette maison, je ne sois pas informée de ce qui se passe. On m'a communiqué cette adresse, mais je ne veux pas déranger. Veuillez attendre un moment ici. Je pensais que monsieur Leonardo vous l'avait dit. Autrement, vous savez que je vous aurais informé de tout. Mon Dieu, il ne manquait plus que ça dans ma vie. Réellement. Que ce soit maintenant les domestiques qui m'informent des décisions qui se prennent dans cette maison que j'ai gérée durant des années. Je ne permettrai jamais ce manque de respect, Consuelo. Et vous, jeune fille, ne vous considérez pas comme embauchée tant que je n'ai pas vérifié votre lettre de recommandation et que réellement, vous avez été appelée à travailler ici. Je ne savais pas que tu connaissais Maribel. Tu voulais me le cacher? Je ne te l'avais pas dit parce que je n'ai rien à te dire sur mes relations personnelles et je suis là pour te former. Et... Bien sûr. Excusez-moi, je dérange? Non, non, je t'en prie, ma belle. Tu veux t'asseoir? Bien, vas-y, assieds-toi. Bien sûr, merci. Que c'est aimable. Merci. C'est confortable? Oui, merci. Eh bien, nous sommes là pour te servir. Un de ces jours... Je peux t'inviter à prendre un café? À manger une glace? Je ne sais pas. Je t'aurais invité à une croisière aux Caraïbes. Est-ce que ça te plairait? Eh bien, merci infiniment, mais avec la chaise, c'est suffisant, sincèrement. Et puis, je ne peux pas tarder parce qu'il y a les actionnaires de l'Assemblée dans la salle de réunion. Et j'ai besoin d'un grand service. Eh bien, tu n'as qu'à demander, nous sommes à ton écoute. Non, mais c'est que ce service... Eh bien, j'ai besoin de le demander à Tony. Tony. Oui, Tony. Bien. Après, je te demanderai un autre service à toi. Non, y a pas de souci. Je vais chercher le café et je vais chercher quelque chose à manger. Parce que dans cette entreprise, on t'enferme et on te laisse affamé. Tu veux quelque chose? Vas-y. Va, c'est bon. Écoute, je ne comprends pas comment ils peuvent envoyer ce jeune homme faire son stage ici. Je parie qu'il va pas durer une semaine ici. J'en doute. En fin de compte, il est le propriétaire de cette entreprise. C'est le fils de Monsieur Ferrandis. Ah bon? Ah, je comprends mieux son côté crétin. Oh, non, ne sois pas si cruel. En plus, je trouve ce jeune homme vraiment très sympathique. Dis-moi, quel est ce service que tu veux me demander? Connaître tous les appels téléphoniques émis par Madame Altamirano depuis son bureau. Tes détails étaient très bien préparés. C'est exact. Oui, en effet. Ça fait longtemps que je me fais du souci au sujet de la situation de l'entreprise et il est vrai que j'y ai travaillé durement. Bien sûr, évidemment. Ça se voit. Pas comme toi. Ça saute aux yeux que tu as improvisé. Cette présentation de conseil d'administration d'aujourd'hui. Pardon, monsieur Cazares, mais ce n'est pas du tout le cas. Et qui est cette demoiselle ?
Mais madame est mon épouse et aussi mon assistante personnelle. Eh bien ça alors, j'aurais même le plaisir de connaître la fameuse Irène. Mes respects, madame Ferrandis. Si mes souvenirs sont bons, aucune de vos deux fonctions ne vous autorise à prendre la parole à un conseil d'administration, c'est ça? Non. Non. Vous avez raison, monsieur Casares. Je vous présente mes excuses, je me maintiendrai en marge de la discussion. Eh bien, dans ce cas, je crois que nous pouvons continuer. Et si nous passions à étudier les premiers points de mon projet? Hein? D'accord? Tiens, Maribel. Voici tous les appels qui ont été émis durant la journée, depuis le poste du bureau de Madame Altamirano. Je t'en prie, fais très attention, ok? Oui. Tu risques de me créer un problème très grave. Oui, sois tranquille, Tony. Ça ne va pas sortir d'ici. Ce sera un secret entre nous. Mm-hmm. Comment crois-tu que je puisse parler d'un sujet aussi délicat que celui-là? Je te rassure. Je le sais, je le sais. Mais bon, tu sais que la liste des appels qu'elle émet depuis son mobile, tu sais très bien que je ne peux pas te la donner. Bien sûr, mais bon, tous les appels sortent de son bureau, tu ne crois pas? Non, non, pas forcément. Parce que tu sais, cette femme est bizarre, elle est un peu... Enfin, tu sais qu'elle a toujours quelque chose derrière la tête et... Je sais pas. Oui, elle est dangereuse, vraiment dangereuse. Vrai. S'il te plaît, fais attention à toi. Oui, tu as raison, elle est dangereuse et très problématique. En plus, c'est une sorcière. Oui, attention à ce que tu fais. Oui, oui, je ne sais pas ce que tu vas faire de ces documents, mais nous risquons de nous créer des problèmes qui peuvent même nous emmener en prison. Oui. Je suis contente de te retrouver, princesse. J'ai pensé à toi à la cafétéria et j'ai décidé de t'acheter cette petite glace. Aussi douce que toi. Bon, toi, je ne t'ai rien acheté parce que tu travailles. Tu m'as fait comprendre que lorsque les gens étaient en train de travailler, ils n'avaient pas le droit de manger au bureau. Bien. Au moins, tu as compris quelque chose. Bon, moi, je vais y aller parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et mille merci pour la glace. Et merci pour le coup de main. Pas de soucis, princesse, c'était un plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Excusez-moi. Bon appétit, ma belle. Toi-même, tu as dit que ce n'était pas juste que Maria Lucia sacrifie ses études. Et moi, je dois chercher du travail par ordre du tribunal. Irène s'occupera beaucoup mieux de toi, maman. Oh, cette femme, mon Dieu! Cette demeure est la nouvelle maison de ta fille. Elle est la maîtresse des lieux, et toi, sa mère. Et je suis sûre qu'Irène s'occupera très bien de toi. Moi, qui connais tout le monde dans cette maison, je vous garantis qu'ils vont très bien vous accueillir. Et aussi, je vous garantis que ces enfants vont vous apporter beaucoup de joie. Non, non. Je ne suis pas convaincue. Nous allons trouver le moyen, maman, pour que ton séjour soit le plus court possible. Je vais m'occuper de Maria Lucia. Eh bien, ça oui, ça me paraît bien. Que vous passiez plus de temps ensemble pour vous connaître mieux. Le plus important, c'est ta santé, maman. Et surtout, ne crois pas que tu vas te débarrasser aussi non. facilement de nous, non? Et même que ma petite Sandra ira sûrement te voir. Et écoutez vos filles. C'est elles qui savent le mieux. Maman, toi qui t'es toujours occupée de nous, accepte d'aller à la maison d'Irène, s'il te plaît. En attendant, je m'occuperai de tout ici et Maria Lucia viendra te voir très souvent. Allez, maman, fais-nous plaisir, d'accord? Fais-le pour nous. Monsieur Ferrandis ne répond pas. Je suppose qu'il doit être dans une réunion très importante parce que d'habitude, il répond toujours à mes appels. Donc l'infirmière devra repartir parce que je n'ai pas pu vérifier si réellement elle a été embauchée pour travailler ici. Bien entendu. Oui, c'est normal. Ah, excusez-moi, Madame Agustina, de m'en mêler, mais je pense que vous devriez appeler Madame Irène pour qu'elle vous dise elle-même pourquoi l'infirmière est ici. Parce que Madame Irène Consuelo n'est pas la maîtresse de cette maison. Et je n'ai certainement pas d'explication à donner
ni aux domestiques, ni aux infirmières, ni aux secrétaires. Mais madame, monsieur Leonardo m'avait dit que... Et vous, vous vous mêlez de ce qui vous regarde, Consuelo. C'est moi qui commande cette maison. Alors tout le monde, absolument tout le monde, doit vraiment m'obéir. Alors veuillez, je vous prie, repartir. Si vous le dites, c'est ce que je vais faire. Je pense qu'il vaut mieux que je revienne à un autre moment quand vous aurez la confirmation. Qu'est-ce qu'il y a, Tata? Tu te sens mal? Pourquoi cette question, Lena? Est-ce que j'ai une tête de malade? Non, c'est pas... Chut! Ne réponds pas à cette question. C'est sûrement un piège et quoi que tu dises, elle va nous punir. Viens par là, vite. Dépêche-toi. C'est en prenant une part sur tout le marché européen que nous pourrons consolider notre position de leader sur d'autres continents. Bravo! Bravo! Bravo, 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 félicitations. C'est très bien parlé, bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. Oui, bravo. Messieurs, je vous invite à prendre une pause. Profitons du banquet qui paraît si appétissant et qui est si gentiment préparé par Leonardo et son équipe. Allons-y, messieurs, je vous en prie. Profitez-en bien, allons-y. Comme d'habitude. Ça, c'est très bien, Leonardo, hein? Ça, c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose qui ne devrait changer pour rien au monde. Si tu permets... Qu'as-tu, Leonardo? Qu'as-tu fait? Tu n'aurais pas dû permettre de lever la séance. Il s'est accaparé la réunion, tu as vu ça? Très malin, ce type, non? N'exagère pas. Il faut l'écouter aussi. Peut-être que ses idées sont bonnes. Moi-même, je les appuierai afin de pouvoir les mettre en pratique. Pourquoi pas? S'il te plaît, tu es vraiment crédule. Je n'aime pas du tout sa façon de faire. Et s'il était honnête en premier lieu, il serait venu en discuter avec toi. Mais enfin, ça a toujours été son style. Exactement comme toujours. Tu le connais bien, Carlos Ernesto. Oui, je ne le connais que trop bien. Allons-y. Un jus, monsieur Ferrandis? Vous pouvez me donner ce que vous voulez, madame Ferrandis. Je n'ai pas aimé l'intervention de ce monsieur. Je ne m'attendais pas à ça. Tout est parfait, inclus ce type avec ses bonnes surprises. Ça remet en question les choses au sein de l'entreprise, tu vois. Tu me fais toujours confiance, hein? Je te fais toujours confiance. Et rien que pour ça, je vais te laisser tout seul. Je vais appeler la maison pour savoir si maman est arrivée. Je suis ravi que tu me donnes ton vote de confiance. C'est bon. Rentre à la maison, tu t'occupes si bien de ces choses-là. À partir de maintenant, je peux continuer tout seul. Je te remercie. Virginia, excuse-moi, oui. Je suppose que vous deviez être très inquiète pour moi. Mais c'est que j'ai dû aller chercher un cours chez une copine et... Eh ben, je me suis pas rendu compte de l'heure, en fait. Mais ça ne va pas, Maria Lucia, ou quoi? On était super inquiets, même Sandra ne savait pas où tu étais passée. Et maman était super angoissée. Non, ça n'arrivera plus. Et ne te fais pas de soucis, ne t'angoisse pas, hein, je te rassure. J'appelle tout de suite Sandra pour m'excuser, ok? Au fait, maman doit être couchée dans sa chambre, n'est-ce pas? J'imagine sans peine le déluge de reproches qu'elle va me faire à son réveil. Non, Irène a décidé de l'emmener au manoir des Ferrandis. Ça a été très difficile de la convaincre. Mais finalement, Sola a pu l'emmener. Oui, bien sûr, je connais bien les raisons d'Irène, mais connaissant maman, comme je la connais, elle doit pas être contente du tout dans cette maison. Bien sûr que non. Mais c'est ce qu'il y a de plus prudent. Oui. Elle est partie seule? Personne ne l'a accompagnée? Je ne suis pas la bienvenue dans cette maison et... Et Loupé a suffisamment à faire, tu comprends? Mais Irène m'a dit qu'elle s'occuperait de tout et qu'une infirmière serait sur place. Ça va me faire bizarre d'être à la maison sans maman. Je suis tellement habituée d'être avec elle tout le temps qu'elle me laisse même pas respirer. On se plaint tout le temps, pas vrai? Oui, c'est vrai. Elle est comme ça, maman. Elle nous aime beaucoup. Oui. Bon, c'est comme ça que sont les mamans. Elles s'occupent de nous,
Elles nous aiment, nous voient grandir. Elles nous connaissent mieux que quiconque. Oui. C'est comme ça que sont les mamans. Elles nous aiment par-dessus tout et... et même plus que ça. Nous sommes arrivés. Madame Trinidad, venez par ici, permettez-moi. Non, 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 non. Non, merci. Eh bien, Madame Trinidad, avec tout le respect et avec toute la certitude, je peux vous assurer que vous serez très bien accueillie dans cette maison comme si vous étiez dans votre propre maison. Tout va très bien se passer. Ah, écoutez, vous savez quoi ? Je suis ici pour ne pas nuire à la vie de mes filles. Parce que je sais pertinemment que mettre un pied dans cette maison ne va pas me faire de bien. Ne vous faites pas de soucis. Je vous ai déjà dit que c'est votre fille qui va vous accueillir. Tout va bien se passer. De plus, ces enfants vont vous remplir la vie de joie. Vous allez retourner chez vous complètement guérie et de plus bien soignée. Oh, monsieur Anzola, quel sacrifice ne doit-on pas faire pour ces enfants ? Vous savez quoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais je pressens que cette maison ne va pas me convenir du tout. Pourvu que je ne me sois pas trompée en disant que oui. Non, laissez. Oh. Irène, est-ce que tu pars déjà ? Oui, j'ai parlé à Leonardo. Je vais voir comment se porte maman. Tu m'as rendu le service que je t'ai demandé ? Regarde ce que j'ai ici. C'est la liste des appels téléphoniques de la grande bécasse, qu'est-ce que t'en dis ? Qu'as-tu fait ? Comment as-tu pu avoir ça ? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est la liste des appels téléphoniques d'Alejandra, et puis bon, je voulais vérifier si certains de ces appels concernaient l'agence, mais ensuite je me suis rendu compte que non, parce qu'elle pouvait appeler d'un autre téléphone. Maribel, je ne t'ai pas demandé les détails. Je te demande comment est-ce que tu as obtenu tout ça ? C'est illégal, c'est très délicat. Tu t'immisces dans la vie privée d'une personne, nous pouvons avoir de très graves problèmes. Non, ma grande, je te rassure. Tu sais que j'ai mes tuyaux avec les agents de surveillance, donc ne crains rien, personne ne saura que nous avons ce document. Tu peux rester tranquille. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ah non ? Tu m'as demandé de vérifier qui elle avait appelé et c'est ce que j'ai fait, non ? Je t'avais demandé de vérifier si la question de l'infirmière pour ma maman était réglée. Non pas que tu interviennes sur les appels de Madame Altamirano. Ah, bien sûr. Maribel, je n'ai pas besoin d'un autre problème. Voilà, encore une fois, l'idiote de Maribel impliquée dans un autre problème, pas vrai ? J'ai inventé tout ça. Non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ça, c'est la vie privée de Madame Altamirano. Nous pouvons nous retrouver dans de très graves problèmes. De quoi vous parlez, ma petite Irène ? Ai-je bien entendu ? Toi et ton ami, vous m'espionnez. Non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire ça, madame. Irène et moi étions en train de parler de choses personnelles. Nous n'avons pas à les citer, vous comprenez ? Ne me prends pas pour une idiote, jeune fille. Parce que je sais très bien ce que j'ai entendu et vous m'avez cité. Je peux savoir ce qui se passe. J'ai cité ton nom, Alejandra. Mais puisque tu es là, je vais te poser la question directement. Je voulais juste savoir qui tu as envoyé pour s'occuper de ma maman. Vous voyez que j'ai bien entendu mon nom ? Bien que je n'ai aucune justification à donner de mes actes, je vais te le dire, Irène, parce qu'il s'agit de ta maman. Et bon, je ne faisais qu'accomplir les ordres de mon supérieur. Leonardo m'a demandé de chercher une infirmière qui soit compétente, et c'est ce que j'ai fait. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ? Franchement, ça m'est complètement égal. Je ne faisais que respecter les ordres de Leonardo. J'ai appelé une agence, j'ai sollicité une infirmière qualifiée et je l'ai embauchée, c'est tout. Je pense seulement que tu aurais dû m'en parler non, avant. Non, je ne le pense pas. Je ne faisais que respecter les ordres de Leonardo. Tu sais, il ne voulait pas te déranger parce que tu faisais des choses plus importantes. Mais si ça t'embête tant que ça, Irène, eh bien, je peux tout annuler et on n'en parle plus. Non, 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 Alejandra, c'est très bien. Au contraire, je te remercie. Tu n'exagères pas un peu, ma petite Irène ? En fait, je doute vraiment beaucoup que tu aies envie de me remercier. Tu sais très bien que je le fais seulement pour Leonardo. Et pour lui, je suis capable de faire n'importe quoi.
Bonjour, bonjour. Entrez, entrez, je vous en prie, Madame Trinidad, s'il vous plaît. Bonjour, vous allez bien? Je vous présente Madame Consuelo, un des anges de cette maison. Elle cuisine les meilleurs plats au monde. Ses préparations culinaires sont un festin. Oh, arrêtez donc d'exagérer, Anzola. Entrez, entrez, je vous attendais. Merci, Madame Consuelo. Madame Consuelo, oui, c'est ça. Eh bien, maintenant je dois partir. Aussi, veuillez m'excuser. Allez-y. Je reste à votre disposition pour tout ce dont vous aurez besoin, oui? Mais vous êtes obligé de partir? Oui, je dois partir. Bon, en vérité, j'aimerais bien rester ici pour vous tenir compagnie tout l'après-midi, mais je dois retourner à l'entreprise chercher mon patron. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes ici entre de bonnes mains. Ils vont vous traiter comme vous le méritez. Croyez-moi, veuillez m'excuser. Je vous en prie, passez. Allons-y, passez devant. Je vous porte la valise? Non, 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 s'il vous plaît. Vous êtes très aimable, mais... Calmez-vous, j'appelle tout de suite une servante et elle vous le portera. Elle n'est pas là, ma fille Irène? Elle est au bureau avec Monsieur Ferrandis, mais elle va arriver très vite. Celle qui est arrivée en premier, c'est l'infirmière. Ah. Elle s'est absentée un moment, mais elle revient très vite. Et pourquoi ça? Eh bien, parce qu'elle avait quelque chose à faire, mais elle a laissé son numéro de téléphone pour l'appeler dès votre arrivée et de revenir par ici. Consuelo, peut-on savoir qui est cette femme et où tu l'emmènes? Je vous laisse. Allez-y, monsieur. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu ne m'en veux pas. Il n'y a rien de personnel. Non, je t'en prie, Adolfo. Tu sais très bien que je ne mélange jamais ma vie privée et le travail. Ah, comme je me réjouis de te l'entendre dire. Mais oui, je pense que si tu étais en total désaccord avec ma gestion comme président de cette entreprise, tu aurais dû en premier lieu venir m'en parler, non? Eh bien, tu sais, ce qui m'a intéressé, c'est voir la réaction des autres. Et d'un autre côté, eh bien, j'ai voulu écouter ton exposé. Peut-être que tu aurais réussi mais à me convaincre. Mais tu es arrivé en étant déjà disposé. Tu n'as même pas daigné attendre la fin de ma présentation. C'est juste si tu as prêté attention à ce que j'ai dit. C'est bon, je vois que tu l'as mal pris à titre personnel. Et ça ne doit pas se passer comme ça, Leonardo, parce que je t'apprécie. Tu es presque de ma famille. Par ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Attention, je n'ai jamais voulu manquer de respect à ton épouse Irène. Tu es bien placé pour savoir que si l'on ne respecte pas les règles au travail, eh bien, les réunions deviennent totalement inefficaces. Parfaitement. Sur ça, nous sommes totalement d'accord. Je respecte les normes et les règles de cette entreprise. C'est parfait. Dans ce cas, nous pouvons continuer. Messieurs, s'il vous plaît, nous reprenons. Allons travailler. Je suis certain qu'il a dû mettre des mois et des mois à réunir toute l'information pour faire son rapport. Il n'est pas en train d'improviser. Il s'est préparé, très bien préparé. Et je suis sûr qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Si nous pouvions savoir qui est derrière tout ça, nous pourrions anticiper le prochain coup et nous pourrions nous préparer. Alors dans ce cas, nous devrions enquêter. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'il nous double. Tu sais une chose, Juan Pablo? Ce type-là, je ne l'ai jamais aimé. Et je vais te dire autre chose. Cet homme m'a toujours semblé jouer double jeu. Et comment pourrions-nous le vérifier? Qui est derrière cette façade? Je ne sais pas. Eh bien, peut-être que maman. Il a toujours eu une relation très spéciale avec ma mère. Il l'aime beaucoup. Il l'aime? Oui. Hein? J'ai toujours pensé que Casares était amoureux de ma mère. Et je crois que précisément c'est par elle, par ma mère, que nous allons pouvoir obtenir les informations que nous attendons. Cette dame est la maman de Madame Irène. Elle est malade. Je vais l'amener à sa chambre en attendant Madame et Monsieur. Dans la chambre? Oui. Dans cette maison, il y a des règles qui semblent ne pas être respectées. Je suis désolée, mais je ne peux pas laisser monter aux chambres des étrangers sans l'autorisation du maître de maison. Ah, ne vous énervez pas. Écoutez, si c'est comme ça, je repars par où je suis venue. Non, calmez-vous un moment. Elle n'est pas une inconnue. Elle est la maman de Madame Irène, l'épouse de Monsieur Leonardo. Madame Irène est la maîtresse de cette maison. Irène n'est ni la propriétaire ni la maîtresse de cette maison.
La seule maîtresse de cette maison est décédée depuis plusieurs années et nous lui devons encore le respect. Vous savez quoi, si je dérange, je m'en vais. Je repars avec ma petite valise et puis c'est tout. Non, non, je vous en prie. Mais vous ne devez pas vous vexer. Ce n'est pas personnel. Vous devez comprendre que je dois veiller sur cette maison et mes neveux et que je ne peux laisser personne entrer ni monter aux chambres. On ne m'a même pas informée. Eh bien, si vous devez rester, vous allez devoir aller au salon des visiteurs. C'est bon, c'est bon. Vous n'avez aucune pitié ? Cette personne est malade. Ah oui ? Ah, eh bien, donnez-lui à boire. Soyez tranquille. Eh bien, monsieur, ici, le plus important, c'est de garder la vue sur les moniteurs, les appels téléphoniques, la radio, et être très attentif, alerte au travail. Vous voyez ? Concentré. Exact. Attentif. Sérieux. Regardez, ça y est, c'est l'heure de la sortie. Ils sortent maintenant. C'est l'heure de partir ? Oui. Enfin. Une heure de plus et je devenais dingue. Enfermé dans ce bunker, les heures passent et tu t'en rends même pas compte. Oui, oui, c'est vrai. Écoutez, monsieur Ferrandis, sincèrement, je voulais vous présenter mes excuses si je vous ai manqué de respect, vraiment. Je ne savais pas que vous étiez... Un passant. Un employé en dessous de toi. C'est pour ça que tu es là, non ? Pour m'aider, pour me former. Oui. Mais je ne savais pas que vous étiez le fils du président de l'entreprise. Oui, bon. C'est pour ça que je suis ici. Mon père veut que je vienne ici. C'est une sorte de punition. Si je n'accomplis pas ce qu'il me dit, eh bien, il me rendra la vie impossible. Eh bien... Bon, Tony, écoute, je te suis très reconnaissant pour le temps que tu m'as consacré. Et vraiment, j'ai tout compris. À vos ordres. Je pense que nous allons être de bons amis, sincèrement. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu vas courtiser Maribel. Tu la verras avec moi, en ma présence. Ami ? Excusez-moi, madame, vous m'avez fait appeler ? Eh bien, en fait, cela fait un peu plus d'une demi-heure. Il va falloir que tu bouges un peu plus vite ton popotin quand un supérieur t'appelle. J'étais en train de classer certains dossiers, mais Non, c'est pas pour ça que t'avances pas. C'est pour ça que tu n'avances pas dans ta carrière et que tu n'es pas... Comment dirais-je, une assistante de direction comme il se doit. Attendez, vous êtes en train de m'insulter ? Laissez-moi vous dire que vous perdez votre temps. J'aime beaucoup mon travail et je n'ai pas honte d'être une secrétaire digne de ce nom. Non. Personne ne devrait se sentir honteux de son travail. Par contre, il devrait se sentir honteux de le faire aussi mal. Mais ne fais pas cette tête. Je te rassure, je ne vais pas te renvoyer. Dieu m'en garde. Ah, alors dites-moi, madame, dites-moi ce dont vous avez besoin. Je vous écoute. J'ai cru comprendre que toi et la petite Irène, vous m'espionniez. Non, madame, je vous ai déjà expliqué que ce n'était pas ça, c'est un malentendu. Non. Ne fais pas l'idiote, Maribel. Tu sais parfaitement à quoi je fais allusion. Je ne peux rien faire contre Irène parce qu'elle est l'épouse du patron. Mais contre toi, oui, je peux. Parce que je me suis rendu compte que lorsque vous êtes ensemble, ça vous porte préjudice. Comment ça, ça nous porte préjudice ? Madame, je vous en prie, nous avons toujours travaillé ensemble. Non seulement ça te porte préjudice à toi, Maribel, mais ça porte également préjudice à toutes les deux et donc à l'entreprise. Ainsi, j'ai décidé de te transférer dans l'autre bâtiment. Avec Monsieur Gaillardeau, il est au courant. Alors Maribel, je te souhaite bonne chance. Madame Irène, enfin vous voilà arrivée. Qu'y a-t-il, Consuelo ? Ne me fais pas peur. Eh bien, c'est que quelque chose de désagréable est arrivé et je veux vous le raconter. Quelque chose est arrivé à maman ? Non, j'en prends bien soin. Je lui ai préparé une soupe sans sel pour que ça ne lui fasse pas mal. Consuelo, tu me rends nerveuse. S'il te plaît, dis-moi où est ma maman ? Eh bien, après que votre maman ait pris sa soupe, je l'ai emmenée dans ma chambre pour se reposer. Je sais ce que c'est se sentir mal. Et pourquoi à votre chambre ? Vous ne deviez pas lui préparer une chambre ? Bien sûr, mais il s'avère que Madame Agustina m'a dit que... On parle de moi ici ? Agustina, je pense que j'ai été trop patiente avec toi. Mais là, tu es en train de provoquer ma mère et ça, je ne vais pas te le permettre. Agustina, tu respectes ma maman. Tu me demandes de faire preuve de respect ? Et regarde-toi comment tu me parles. Ne me parle pas sur ce ton, Irène. Et encore moins, me tutoyer. Je ne t'ai pas permis cette familiarité. Je te tutoie et je te demande ce que j'ai envie. Parce que je te rappelle que la maîtresse de maison, c'est moi. C'est ce que tu voudrais.
C'est moi qui ai épousé Leonardo, pas toi. Je ne risque pas de l'oublier, Irène. Je n'ai jamais prétendu être la maîtresse de cette maison. Je suis uniquement là pour mes neveux et pour veiller à la mémoire de celle qui fut la maîtresse de cette maison. Ça suffit, Agustina, c'en est trop. Tu me fatigues avec ton discours sur ta sœur. Qu'elle repose en paix. Mais cette situation, je ne vais plus l'accepter. Comment? Mais comment ça, vous allez me transférer, madame? À cause de quoi? Vous faites une grosse erreur, madame. Je te rappelle que je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise et que j'ai tous les pouvoirs pour prendre ce genre de décision. Ah, madame, et qu'est-ce que vous allez dire, hein? Que Maribel et Irène étaient en train de m'espionner? Bien sûr, comme vous êtes une personnalité si intrigante, si perverse et si... Je pourrais, effectivement. Mais figure-toi que je ne suis pas obligée de justifier mes décisions. Il me suffit de dire que le docteur Gallardo a besoin d'une assistante, et comme ici, il y en a plein. Oh, madame, je vous en prie, ce n'est pas nécessaire, j'ai toujours bien fait mon travail. Oh, et puis non, regardez, non, non, regardez. Non, ça suffit, le sujet est clos. Et puis, je n'ai plus envie de supporter ton visage peinturluré. Alors fais-moi le plaisir de te présenter à la nouvelle adresse pour exécuter ton travail. Si tu veux, tu peux présenter ta lettre de démission. Ça aussi, ça pourrait me convenir. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'elle croit, cette bonne femme? Parce qu'elle détient le pouvoir? Maribel, bien sûr, toujours Maribel. Calme-toi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, cette femme me déteste. Cette femme me déteste, monsieur. Elle a eu gain de cause. Elle veut me transférer à l'autre annexe. Mais calme-toi, respire. Mais qui? Pourquoi veut-on le transférer dans un autre bureau? Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Monsieur, elle nous déteste, toutes les deux, Irène et moi. Elle nous déteste. Elle a gagné, monsieur, je vous en prie. Je ne veux pas partir d'ici, s'il vous plaît, monsieur. Aidez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Calme-toi, je vais t'aider. Qu'est-ce que t'as fait, Maribel, Juan Pablo? Pardon? N'abuse pas de ton titre dans cette entreprise. Qu'est-ce que tu lui as fait? Bonjour, Martha. Bonjour. Vous allez bien? Bien, monsieur. Maman est arrivée? Oui, madame Adela est arrivée très tôt et elle se trouve dans sa chambre. Très bien. Dans ce cas, dites-lui que je veux discuter bien avec entendu, elle. Bien entendu, monsieur. Merci, Martha. Mon fils? Maman? Laquelle de ces deux robes préfères-tu le plus? Je suis absolument persuadée que tu seras superbe dans n'importe laquelle des deux. Oui. Mais c'est pourquoi? Tu vas où? Je vais dîner avec Adolfo Casares. Nous remémorer le bon vieux temps et célébrer son retour. Eh bien, maman, si je pouvais m'attendre à ce que tu me fasses une telle surprise. Mais c'est logique, quand on a mis en place un plan tout tracé. Et que veux-tu dire? Je veux discuter avec toi, maman, à propos d'Adolfo Casares. Tu n'as rien à célébrer avec ce type, maman. Parce que je suis persuadée qu'il est revenu seulement pour s'approprier notre entreprise. Ne recommence plus à hausser le ton, Irène. Alors arrête de me fatiguer. J'ai vraiment essayé d'avoir une relation cordiale avec toi. Je ne vais pas permettre que tu touches à ma maman, parce qu'ici, c'est ma maison, Agustina. Cette maison est trop grande pour toi. Oui, elle est grande. Et alors? Dès que je t'ai vue entrer par cette porte, j'ai su. Tu es l'exemple même de la jeune fille innocente qui en réalité cache bien ses mauvaises intentions. Tu peux dire ce que tu veux, Agustina, mais je suis la maîtresse de cette maison. Tu n'as aucune idée de la façon dont se conduit une dame. Oui, c'est sûrement ça. Alors pour cette même raison, je t'avertis de ne plus recommencer à molester ma maman parce que je ne répondrai pas de moi, Agustina. Tu as pu épouser Leonardo, Irène, mais malheureusement, tu n'as pas su le garder près de toi ni comment le rendre heureux à tes côtés. Parce que tu n'es pas assez femme. Ça, c'est ma vie privée. Et je te demanderai de la respecter. Privée? Mais toi-même, tu t'es chargée de rendre ta vie publique. Tout le monde sait quel genre de petite bonne femme tu es. Tout comme ils savent tout sur Leonardo et sa maîtresse. En train de boire seul et de planifier, comme toujours. Comment vas-tu, Adolfo? Bien. Les habitudes s'enracinent avec le temps. C'est vrai. Serveur, un verre comme celui de mon ami, s'il vous plaît.
Alors, comment s'est passée la réunion du comité directoire? Eh bien, beaucoup mieux que nous ne l'avions prévu. Leonardo n'a pas eu de possibilité de s'accrocher. Ce sera facile de l'anéantir, d'enlever cette entreprise à cette famille. Alors, on va trinquer. On va trinquer à la fin du pouvoir de la famille Ferrandis. Et parce qu'ils vont directement à la faillite. Trinquons à cette idée. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?